Créole FM. Créole FM. Écoute Awar. Allez, bonsoir, bonsoir. Merci d'écouter Créole FM en ce mercredi 22 avril 2020. Il est déjà 20h passé de 2 minutes à l'écoute de Créole FM pour ce mercredi soir. Bienvenue en tout cas dans votre émission le Tropicana Heat Live Tour. Avec les filles aux commandes, bah oui, hein, avec Annelle, la sublime, l'unique Annelle. Ça va Annelle pour ce mercredi soir? Bonsoir, bonsoir. Eh ben écoute, ça va très bien. Mes spieux exotes aussi, c'est la forme. Quand tu vois, ben, il fait noir derrière moi. Mais moi, elle est dans la lumière, donc c'est le plus important. Donc voilà. Mais sinon, ça va, ça pète la forme. Sauf que ma brûle à moi, tout à l'heure, là, mais bon. Pourquoi la brûle à où tout à l'heure? Ben, on connaît qu'on fait des fritures, qu'on essaye de faire la grande cuisinière, mais qu'on ne voulait pas trop cuisiner. Voilà. Donc, c'est assez compliqué. Mais sinon, ça, ça va. Ma survie, vous connaissez, mes pains café, mais il y a quand même 2-3 pots. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle fait les codéillis, alors? Ah, je sais pas. Ah, elle doit être Sabrina, ça. Sabrina, si tu, mets, tu m'entends moi. En ce moment. C'est qui? Ah, il doit être Sabrina, ça. Oui, c'est Sabrina, parce qu'il clignote jeune. Sabrina, Jopien, qui est avec nous ce soir. Donc, Sabrina, désactive un petit coup de micro, s'il te plaît. Maya, ça va? Oui, oui, mais bouge pas dans mon coin, on entend bien. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Oui, en fin de compte, c'est pour écouter le retour, en fait. Oui, bah et oui. Du coup, voilà. Donc, c'était pour dire bonsoir à tout le monde. Oui, c'est Maya. Et puis, ben, on est là ce soir avec Zot, par compagnie à Zot. Et puis, donc, la soirée, il fait que commencer. Donc, voilà. Donc, voilà. Mais alors, ah, voilà. Elle a coupé son micro. J'adore. Non, mais voilà. C'est moi la coupée, en fait, son micro. Parce que, bon, c'est vrai que. Voilà, donc, elle n'est pas évident quand même. C'est un petit peu désagréable. Ouais, elle n'est pas évident. Et pendant qu'il coupe le micro, justement, les filles causent surtout pas. Il a un blanc. Donc voilà. C'est pas bien, mais ça. Non, en fait, c'était gênant le retour, donc voilà, on n'arrivait pas ça. À s'entendre. Allez, on recommence. C'est allez, ça, on recommence. Alors, donc, Annelle, que la brûle, elle, entre-temps, donc ça va. En tout cas, les super bons, en tout cas, oui. Les beignets qu'on a fait. Ah, merci pour honnêteté. Je plus causer honnêteté. Ouais, mon honnêteté, les bons, tu vois, les bien, ouais, les top, quoi. Ben oui. Comme d'hab. Je n'ai pas goûté, moi. Ouais, comment dommage, ça... ben, on aurait dû être l'assistante pour une équipe à moi, comme ça on ben aurait oui, gagné. C'est ça. En fait, on aurait dû accompagner Ali, comme ça on t'a gagné goûter. Ben, les vrais, effectivement. Oui, en plus, il est arrivé au bon moment. Il est arrivé au moment où les affaires en train de faire. Donc, ben, bien évidemment, hein, voilà, il a profité. Ben voilà. Il m'a pas voulu faire le sauvage. Il m'a la proposé, il m'a pas voulu faire le sauvage, ouais. Ouais, ben en fait, nous l'avait pris justement le petit goûter à 16h justement chez Maya. Et après, oui. Ben justement, chez Annelle, nous m'a prend l'apéro. Avec le petit. Bah oui, c'est ça. Pour dire au-devant, t'es pas plein hein, cet après-midi. Hein. Ah oui, c'est ça. Bien manger. C'est ça. En tout cas, soyez les bienvenus sur Créole FM. Et notamment, normalement, donc, si ça se passe bien, justement, donc, nous sera en direct, en simultané, sur Télécréole à 20h35. Voilà. Donc, ça va voir un petit peu comment nous l'en confinement, et tout ça. Et ce soir, notre invité d'honneur, que nous l'a eu le plaisir d'inviter chez mon voisin. Oui, parce qu'il a fait sortir un titre qui appelle Chez mon voisin, tu vois. Et chez mon voisin, il y en a Gustave. Gustave, ou les mon voisin. Sabrina Jopier, est-ce que tu sont les impeccables ou pas? Désactive un petit coup de micro là, s'il te plaît. Parce que ma vie. Voilà. Bonsoir. Voilà. Alors, bonsoir, Minena. Dani. Ça va? Salut. Bonsoir Maya, bonsoir Annaëlle. Alors, est-ce que... Ça te plaît bien? Ah oh oui, ça va. Oh, ça va, on confine. Oui, on confine. Hein. Voilà, on confine, j'espère que vous aussi, les bien. Oui, ça va. On confine comme tu dis, là. Pas c'est le choix. Ça.
On n'a pas le choix. Voilà. Est-ce que Sabrina ou Léna, un casque rapidement, au moins, on a point quand même ce retour justement à la radio pour re-entendre à nous. Ouais, parce que là, il y a un petit retour quand même. En fait, il y a un petit retour quand même. Est-ce qu'on a un petit casque rapidement, peut-être des écouteurs. Un casque de téléphone, par exemple, des écouteurs. Voilà. C'est bon. Allez, on retrouvera dans un instant d'ailleurs Sabrina. Il faut désactiver votre micro quand même. Ok. Merci. Si vous n'activez pas de petit dédicace justement ce soir, hein, donc les possibles. Ouais, on essaye d'attendre le retour, voilà. Voilà, il y a un bon son, c'est mieux. Voilà, là c'est mieux. En plus, je dois dire, quand les animatrices, les cupines, il y a quand même la voix, ils sortent bien, tu vois. Oui, c'est pas la même chose, effectivement. Ah, effectivement, bah voilà, hein, on entend super bien. On a la belle voix de Anaël, on a la belle voix de Maya. Hein? Bon. Voilà. Donc, il manque juste la voix et le reste pour que tout le monde soit prêt. Et après, on fait une émission parfaite. Voilà, mais Anaël, on dirait affligée et encore sous hypnose. Bah, c'est bien, merci pour le compliment. Non, mais regarde. Non, c'est vrai, en plus, t'as figé. Nous, on n'a que ta voix, là. Apparemment, on a perdu le visio, là. Oui, on a... Aïe, 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 Anaël. Mauvaise connexion, je pense. Oui, c'est ça, mauvaise connexion. En tout cas, si tu veux passer un petit message, mais donne à Zot quand même le numéro du standard, donc 06 93 488 996, 06 93 488 996, également donc via les textos, si tu veux texter, hein, dans un instant, 06 92 170 862, 06 92 170 862. Voilà, Annelle est de retour, mais il est plus blanc comme tout à l'heure. Ouais, elle a perdu ça. De la lumière. Vous t'y entends à moi? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend bien, on t'a perdu. Ah. Ben oui, mon ordinateur m'a dit qu'il y a une bande passante de votre réseau est faible. La bande passante de votre réseau est faible. Ouais, effectivement, parce qu'en plus je suis en partage de connexion, j'ai pas de wifi. Donc du coup, je pense que voilà. C'est pour ça qu'il y a des petits soucis, ça déconne un petit peu. Voilà. Ouais, du coup, si tu es en partage, le partage, bah, de l'autre côté, il doit être en train de faire autre chose. Donc, ça prend du débit, je pense. C'est ça. Ok, c'est ok. Ça. On salue quand même Valérie qui nous écoute actuellement. Valérie qui voudrait écouter donc Toulouse, compte d'ici. Donc, ça sera dans un instant. Hein, voilà. Donc, il me demande à moi qui ça bug. Ah, Anaël, c'est yes, avec Anaël qui bug. Effectivement, Anaël qui bug aussi. C'est ça. Non, bah, c'est clair que ça va pas être facile avec le réseau. Hein. Ouais, c'est ça. Alors ouais, Sabrina, Mivanine a un casque ce soir. Sabrina, est-ce que le son est bon ou pas ce soir? Alors, activez votre micro pour causer seulement. Miguel pas activé, donc. À part qu'Anaël. Anaël dit Anaël. Moi, mi bug. Ah. Alors, c'est mieux ou pas Là, tu m'entends? Oui, ah, là, elle est mieux. Ah, bah, beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, quand même, Sabrina. Oh. Maintenant, on a perdu Anaël. T'as mis toute chose à une solution, tu as vu? Bah, on l'a vu, Sabrina. Oh, quand même. Bon, en tout cas, j'ai Sabrina. J'ai galéré, hein. Oui, bah, dernière minute, comme ça, il faut bien galérer, quoi. Hein. Voilà. Sabrina, vous voulez bien? Oui, ça va doucement, doucement. Hein. Doucement, doucement, on l'a dit pas trop vite. C'est ça? Essaye d'y aller, comme il dit. Hein. Bah oui, essaye. Ça va, ça se passe bien, ce petit confinement? Ouais, avec les enfants, ça va. Le comment dire, les cours virtuels, etc. On essaye de faire avec. Donc, on va voir jusqu'à où ça va amener. Hein. Bah oui, et vous fait la prof à la maison, hein, c'est ça? On essaie de faire, mais mon fils ne m'aime pas en tant que prof. C'est sûr qu'on n'a pas forcément la même patience, la même envie, la c'est même... C'est pas la même chose. Hein. Voilà. Et tout à l'heure, oui, oui. Et tout à l'heure, justement, Annelle va raconter des petites anecdotes de Gabi, parce que m'avait vu une tout à l'heure. Sur le panneau stop tout à l'heure, donc ce sera aux alentours de 20h35 quand on va démarrer la télé, parce que vraiment il faut les top, quoi. Il faut que Dominique connaisse qui il est, Gabi, quoi. Mais il est vrai que Anaël, alors moi ce soir, il fait magicien, hein, parce que Anaël,
Il disparaît. Elle apparaît, elle disparaît. Ce soir, mais le monde magicien, là, ce soir. Hein. Ah, mais c'est ça, quand on est à la maison, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hashtag reste à la maison. Bon. Donc, Anaëlle nous entend. Voilà. Bon, elle est vraiment désolée, mais il y a une connexion. Oui, bah sinon... Ouais, mais très très mal. Vraiment, ce soir, j'ai un gros gros problème de connexion. Je sais pas pourquoi. Mais j'espère que ça va se restabiliser, parce que c'est vraiment embêtant. Sinon, il faut... Ouais, parce que, ouais, un coup tu viens, un coup tu pars, en fait. Voilà, c'est ça. Il fait le mode magicien ce soir. Alianelle, tu disparais. Apparaît. Tu vois. Et en plus, on connaît Nena, l'un des meilleurs, on va dire l'un des meilleurs humoristes magiciens, que la dévoile de trois talents de magie. Hein. Mala, regarde ses vidéos quand même, il s'essaie de refaire. Mala avait tombé dessus au hasard. Hein. Donc, mais il s'essaie de refaire. Ouais, il faudra que tu testes ça. Ouais. Parce que là, regarde, là, tu as loupé ton coche là. Apparaît. Alors pour les personnes qui voilà, donc les pas encore sur le Facebook Live. Je vais juste me reconnecter sur mon téléphone, ça va être plus simple. Ok, si tu veux. Je pense que là j'ai pas le choix. Parce Allez. Que là du coup on ne voit plus mais on t'entend. Voilà. Ça, tu nous fais le sketch du film Cléopâtre en fait. On voit, on voit plus. Donc, tu nous refais la totale. Elle est partie. Voilà, donc ça sera Anaëlle qui va se reconnecter dans un instant. Allez, on fait une petite pause musicale quand même, Maya, avec Sabrina. Oui, le temps que tout se remet en route, quoi. En route, non, mais tout est en route. En tout cas, si ça, tu veux passer en direct à la radio sur Créole FM ce soir, donc n'hésite pas, compose le 06 93 488 996. 06 93 488 996. Également, donc via les textos, hein, dans un instant, il va aller à Sinéna. 06 92 170 862. 170 862. Donc via les textos. En tout cas, et on salue quand même Mikone Maya, Nena, quand même des fans qui te suit, hein. On oui. salue Kélia, on salue ton frangin, on salue quand même Véronique. Hein, ah, bon. Et mon frangin, que je citerai pas, mais il va se reconnaître, hein. C'était son anniversaire lundi, donc il a eu 40 ans, voilà, mon grand frère, joyeux anniversaire. 40 Encore. Ans quand même, ça se fête, hein. Ouais. 40 ans. Ah bah carrément, mais bon, il est en France, donc la famille pense à lui, tu vois. Ah d'accord, et où fait plus vieille. C'est gentil, mais ça tu as, ou la prochaine fois, viens m'y mettre produit dans le gâteau. Non, mais... Non. Venant de lui, ça m'étonne pas. Hein. Ah, mais Sabrina, mais bon, non, mais juste... Non, mais en fait, mais c'est voir l'âge, tu vois, donc il demande pas l'âge, mais il dit, bon, quel âge on est, non, mais ça peut dire ça. Mais il dit, ben, est-ce qu'on fait plus vieille? Mais c'est ça, c'est une question. Mais non, mais c'est mon grand frère, c'est midi à Olina 40 ans, c'est qu'il est plus vieux que moi. D'accord, donc on a 39 ans. Moi, on n'a rien du tout. Moi, je suis jeune. Je reste jeune. On a, oui, actuellement, oui, donc les apparences sont parfois trompeuses. Hein. Donc, oui. Donc voilà. Fais attention qu'on s'audit. Où les cieux, mais où veut m'y revient. Parce qu'on dirait où veut pas. Mais non, moi j'aime trop embêter les nouvelles et faire le bizutage. Oui, bah oui, mais Mimi voit que finalement, on bizute à moi à chaque fois, et à chaque fois, moi, le col, là, m'aime bien en fait. Bah, en fait, Leslie, c'est pareil, hein. Des fois, Leslie, il fait le bizutage avec elle, à un moment donné, voilà, quoi. Oui, à un moment donné, il saoule. Mais t'inquiète pas, tu peux continuer. Moi, je suis patiente. Je vais finir par gagner gros bois, comme il dit. Oui, mais même Sabrina, des fois, quand il vient dans l'émission comme ça, voilà quoi, hein, Midiali comme ça. Bon, allez, nous va faire un petit morceau. Alors, hier, justement, une petite anecdote de hier. Il contacte Sabrina. Elle me raconte un petit... me raconte ça, parce qu'après, on va faire une pause musicale. Alors, il y a mis contact Sabrina, mais dit bon, allez. Mais comme ça, alors, elle est intéressant, ouais, live dans l'émission et tout. Ah, dit, moi, je chante pas pendant le confinement. Hein. Ah, mais dit, bah, comment il fait, là. Mais dit, comment il travaille, hein. Mais dit, bah, au lot de casse, bah, fais un petit live pour nous, tranquille. Et en plus, je connais, peut-être que nous aurons l'occasion de passer sur Télé Créole.
Bon, on salue quand même Betsy de passage, hein, donc, parce que mal à vue que l'avait partage. Oui, un petit coucou à Betsy, mais c'est notre animatrice du matin, qui ne la connaît pas sur Créole les femmes. Ah bah oui, hein, Catherine La Réunion, ça. Salut quand même Betsy. Ah, hein. Oui. Betsy et Betsy qui anime le matin également, donc on salue Vincent également, donc qui anime les après-midi. On salue Will également, on salue Yannick. Également, on salue Denis, également, voilà, donc voilà, l'équipe de la radio. Bah, peut-être m'a oublié aussi également, entre-temps, voilà, parce que, oui, bah, après, il y a des nouveaux qui arrivent, justement, qui animent sur Créole FM et qui animent depuis chez Zot, hein, donc voilà. En tout cas, il est déjà 20 heures passées de 17 minutes. Hein, on fait une petite pause musicale. On va s'écouter Opaka fait ça. Je t'y connais petit compas là. Oh oui, ah, excellent. Excellent. On va s'écouter également donc Stéphanie Tazar avec Rayonner Caméléon. Donc nous l'avions reçu elle dimanche dernier dans l'émission. Ah, ça j'adore ça. Ah ben voilà. Hein. Et puis on aura également donc la programmation de Valérie avec Toulouse Conte des Cibles. Et ben on revient juste après, hein, que ça te dit. Hein. Oui, bon, on fait comme ça à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure sur Créole FM. Créole FM. Écoute Awar. L'équipe complètement Barjo débarque sur ta radio. Dani, Nana, Johanna, Leslie pour te faire plaisir. Créole FM. Écoute Awar. Les appels en direct au 06 93 488 996. 488 996. Venez délirer en direct avec l'équipe complètement Barjo. Allez, de retour sur Créole FM en ce mercredi 22 avril 2020, en tout cas, à la radio. Hein. Et depuis notre case, avec moi-même, jusqu'à 22h. Et puis Maya, qui est avec nous ce soir. Ça va toujours, Maya? Coucou tout le monde, bonsoir à toutes. Vous allez bien? Bah oui, mais encore là. Oui, encore là. Oui, bon, encore là, mais Annaëlle n'est plus là. Annaëlle a eu un souci technique de la dernière minute. Quand même. Oui, je peux comprendre. Elle apparaît, elle disparaît, elle nous fait un remake de film déjà connu. C'est ça. Donc voilà. Un remake. Avec Sabrina Jopier, qui est avec nous ce soir également. Ça va? Oui, ça va super. Bonsoir tout le monde. Bon, toujours en forme, Sabrina? Ben, il faut faire avec, hein. Il faut faire... On essaye de faire aller. Hein. Faut faire avec alors. Ah oui. D'accord. Ben, m'y connais pas, moi, m'y connais pas s'il faut faire avec. On garde le sourire. Bon, ben on garde le sourire. Garde le sourire. Oui. On garde le sourire quand même. Voilà. Allez, si ça tu veux appeler, sinon si ça tu veux. Bon appétit. Comme ça, on l'a dit. Je dis bon appétit à Maya. Ah oui, Maya, Maya il mange comme ça, donc autant de manger les pâtes. Non, ben. Ah, c'est ça le direct, hein. Oui. Tu me connais. En même temps, depuis tout à l'heure, là, m'avait un petit jaf chocolat juste à côté, mais il dit, c'est pas possible, il veut pas. Il nous a fait une pause. Et juste au moment où on nous reprend, on me dit, mais zut, m'oublie manger à lit. Ah ben non, il fallait monter manger à lit, c'est pas possible. Il t'ai fait pitié tout ça, il fallait t'aider dans mon bouge. Alors. Donc voilà. Bon, sinon, là, il faut pas laisser de blanc. Hein. Donc, le ou la mange deux œufs ce soir, alors. Mais ça, chocolat. Ça, c'est depuis... Ça, c'est depuis... Depuis, il y en a deux semaines de ça, ça. Ben, en fait, m'explique à où. Pendant Pâques, j'ai pas eu l'occasion de sortir. Un petit peu comme tout le monde. Hein. Beaucoup n'a pas fêté Pâques comme il se doit et... Et j'ai été faire mes courses cette semaine, j'ai vu qu'il y avait encore des petits chocolats qui traînaient. Je me dis, bon, bah, allons fêter aussi à notre façon, un petit peu Pâques sans... avec un petit peu de retard, quoi. Cette semaine, on partit ? Oui. Ah, d'accord. Ah, ouais. Et quand tout à l'heure, Mala équipe en haut, justement, pour la radio, elle a même pas proposé un œuf pack. Ben, m'y connais pas, c'est où la ramène gâteau et où connais que ça mis ça à faire là, la prochaine pause, m'a fait mettre le gâteau juste à côté. Comme ça, on a le temps de manger.
Bah oui, effectivement. Vous l'avez, Sabrina, quand il vient à la case de monde, il m'amène manger, ouais. Là, c'est pas le contraire, mais c'est moi qui m'amène manger, ouais. Donc, voilà. La prochaine fois, Sabrina, ah. Évidemment, m'amène gâteau. C'est le monde à l'envers. Oui, mais ah, non, mais, ah. Et, mais quand on la partit chez Anaël, ou la ramène ou de case, c'est elle que la donne à où? Attention. Oui, nuance, hein, s'il te plaît. Attention, s'il te plaît. En tout cas, Sabrina, dans... alors, qu'est-ce que ça proposé ce soir? Nous proposons une petite interview tranquille, parce que m'a vu que entre temps, il a eu des actualités chez le voisin, hein, parce qu'on a fait sortir un morceau, il n'y a pas chez mon voisin. Ça sera tout à l'heure. Oui, oui. Chez ça mon voisin. Chez le voisin. Ouais. Qu'est-ce qui se passe chez le voisin actuellement? Ben, là, en ce moment, là, c'est l'ennui total chez mon voisin par rapport au confinement. Ouais. Mais sinon, ça, chez mon voisin, c'est la fête, hein, c'est la fête au village, comme on dit. Hein. C'est la fête au village. Moi, on a la particularité d'avoir des bons voisins, donc ça va. Et pourquoi à la base ce morceau, personnellement, hein, pourquoi ce morceau-là alors? Qu'est-ce qui a inspiré c'est un Sega d'ambiance déjà. Et qui dit ces gars d'ambiance, c'est, ça raconte une histoire un petit peu drôle pour moi. Hein. C'est assez drôle dans la chanson. Et en fin de compte, c'est pour mettre en avant les relations voisins. Voilà. Généralement. Mais c'était pas venu d'un vécu, une inspiration mal. Personnelle. Ah non, mais comme je dis, mes voisins pour moi, ce sont des bons voisins. Voilà. Donc. C'était pour expliquer un petit peu que en fin de compte, on peut avoir des bons voisins. Vous dites ça parce que vous ne pas gagner voilà. Quand on sort dans le chemin. Oh non. Pas du tout. Et d'autant plus que mes voisins sont assez près, hein, sont assez proches de la maison. Donc, autant essayer d'avoir de bonnes relations pour que la vie soit un petit peu mieux. Et là, on l'a vu en vidéo, bon, pour les personnes qui voient pas pour l'instant, donc la vidéo, il y en a quand même un peu le soleil, le voilà quoi, elle est en plein dans la lumière, tu vois. Ah, ouais. Elle est en plein dans la mer. Voilà, on dit ça comme la nuit. Ben oui, quand même. Après, il dit comme ça, l'espoir, il fait vivre. Ah, hein, Sabrina. Parce que la suite n'est pas valorisante. Hein. Elle a dit l'espoir, il fait vivre, ah. Mais les... Non. Hein. Non, mais attends. Mais... Non, parce voilà. Que du coup, là, Myrton fait un jeu de mots sur ses titres. D'accord. Parce que bon, il est vrai oui. Qu'elle a fait chez mon voisin. Oui. Et là, m'y pense du coq à l'âne, on va dire. Donc, l'espoir, il fait vivre. Donc, c'est l'un des titres de Sabrina. Oui, après, ça, après elle a... Oui, c'était... Pardon. Oui, on l'a vu, ou les malpolis, Maya, hein, ou laisse pas écouser. Oui, il est vrai, en plus. Voilà. Pour la peine, nous la paie d'un jeu au chocolat. Ouais. Bah, elle est dans mon frigo, donc s'il veut attraper, mais s'attraper d'abord. D'accord, les d'autres frigos, ou s'attraper. Bon, d'accord. Voilà. Bah, tout à l'heure, on va manger en direct. Oui, faudrait... Dans un instant, on va manger en direct à la radio. Enfin, en direct. Mais viennent faire ou la pas cap à moi, n'a rien que Sabrina l'a trop. Oui. Mais contre ça discrètement, mais elle l'a vu. Ça aurait été fait juste comme ça et puis finalement elle a cap à moi direct. Donc non, ben finalement, mais t'es pas si discrète que ça alors. Non, t'es pas si discrète que ça. Même moi, voilà. Le confinement. Hein, Maya. Comment? Après le confinement, nous rencontrons. Non mais d'ici demain matin ou demain après-midi n'a plus ça. D'ailleurs, bon, marmaille. Non mais manade marmaille quand même, donc c'est plus pour les enfants, mais après en même temps c'est vrai que m'y prend un petit par-ci par-là et qu'achète un peu, il mange en soumic, tu vois. Parce que sinon là au gay puis mange rien. En soumic, ils disent en misouk. Oui, mais en soumic, oui, c'est une génération qui en misouk, en soumic. Attends, hein, ouais, mais c'est du verlan. Tu causes en verlan, c'est pas bien ça de causer en verlan, hein, en tout cas. Sabrina, du coup, oui, après le confinement, la pu, oui. Voilà, il ne partage pas ça, Maya, il n'aime pas partager ça. C'est pour ça, il n'y a pas eu Maya. Marabat sur Anaël, mais Anaël, il fait pas mal de pâtisseries ces temps-ci. Marabat pas là-bas. Oui, mais même Anaël, des fois, voilà. Non, mais il revient sur Maya, justement, donc c'est pour ça qu'elle y partage pas. On connaît comment les abeilles, il est, hein.
Et il n'est pas vrai ça, parce que dans la ruche là, qui sait travaille, les ouvriers pour la reine. Hein? Alors, hein, attention, fais pas cause à moi, hein, Dani. Hein? Bah alors, ça même, vous voulez une reine? Reine d'abeille. Oui, bah non, mais moi je suis pas la reine, moi je suis l'ouvrier. Mais emmène manger pour de monde et m'y mange en même temps. Pas bah, pareil. Ouais, ouais, c'est ça. Sabrina, qu'on soit prévu pour nous ce soir, un grand show musical pour nous ce soir, pendant une heure de temps ou quoi? Non, un petit acapella que j'espère avoir fait plaisir aux auditeurs, revenir un petit peu sur les chansons anciennes. Donc on va faire un petit truc, chansons anciennes, comme Notre Chemin, c'est ça? Ouais. C'est ça? Non, ce sera pas une chanson de... ce sera pas une chanson de moi. Alors, donc, en fait, on veut faire du style karaoké, quoi. Donc, nous propose aux gens. C'est ça. Alors, oui, moi, voilà. Donc, moi, on connaît, Ménana, une jolie chanson qui tient à cœur, justement. Sugay prend la voix de Lara Fabian. Ça, c'est chouette, ça. Carrément Lara Fabian, mais c'est quoi la chanson alors dans ces cas-là? Bah, c'est... Quelle chanson? Attends, c'est ça. Attends, bouge pas. Attends, mais fais coup d'azote. C'est ça. Voilà. Ça, c'est possible ou pas? Je t'aime. Ah, ça, elle est un peu dure, ça monte. Ah, c'est tu aussi là, là. Ça réveille le voisin. Là, il faut écouter demain matin. Allez, bien cette chanson là. Ou sinon, un bon petit Sega Mauricien. Sega Mauricien? De Baba. De Baba. Ça, les bon ça, de Alexis. Il est bon ça, petit Sega là. Oui. Faut écouter, danser, oui. Ah, mais à où chanter, non? Non, pas de dodo, baba. Bah, en plus, t'as l'air au sein de dodo. Non, mais il y a la chanson seulement, mais pas pour moi chanter personnellement. Ah, d'accord. Bon, de toute façon, t'as l'air, Maya, feu de demande. Hein, moi, je t'entends très mal avec le retour derrière. Hein. Ah oui, bah oui, bah, je te dis pas moins. Là, elle est bon. Bah si, là, je te le dis. Oui, là, elle est bon, m'oublie, mais c'est... Non, c'est pas le retour, c'est la base des délires. Voilà. Non, mais ça arrive, tu sais, avec l'âge, la vieillesse et tout ça, quoi. Hein, quand on est vieux, hein, on prie quand même. Et donc, du coup, tu lui proposes quoi pour qu'elle chante, alors? Pourquoi on passe de coq à l'âne? Parce que Mitou Poupa de la vieillesse. Mitou Poupa de la vieillesse, s'il te plaît. Pourquoi on passe du coq à l'âne? Mais moi, je suis jeune, hein. Allez. Non, mais à vue d'œil... Alors, Sabrina, quel âge donne-elle? Mais après les parts, mais je peux pas bien dire parce que là les virtuels, on voit pas bien la personne, donc on voit pas bien Sophie Guy. Merci Sabrina, tu restes neutre. Ah, oui, tu vois pas bien Sabrina. La personne. Sabrina, écoute à moi. C'est un piège, mais préfère pas lancer à moi dedans. Sabrina. Bon, Sabrina, Allez, il me fait de money bataille, il aime ça, de famille, il bataille, tu sais, c'est pas de coq, hein, c'est des poules, il adore ça. Mais justement. Sabrina, bon, écoute-moi. Alors, donc, on va jouer à un jeu, d'accord? Donc, si je trouve l'âge de Maya, il fait vendre à 10 CD. Moi, j'invite les gens qui nous écoutent à appeler. Vous appelez et vous donnez aussi des indices, pourquoi pas? Allez. Bah voilà, tiens, on va faire. Téléphoner aussi. Voilà, on va faire justement un jeu ça en va, direct. Ça va, voilà, vis-à-vis, on passe à autre chose. Voilà, donc nous va. Alors, les fans de Maya, Zoti peut appeler. Oh, hein, Zoti peut appeler sur le standard de la radio, 06 93 488 996. 06 93 488 996. Et Zoti donne l'âge à Maya. Donc en étant que parce que... Et on peut aussi parler de Sabrina et de ses chansons futures. Attends, attends, bouge pas, ne commence pas ou avant et après nous finissons avec. T'as fait oublier à moi, gay, pas. Non, mais Sabrina m'y connaît. Sabrina, inquiète pas, d'instant nous va faire chanter elle toutes les chansons du répertoire que m'y connaît. Ah ouais, là on est là pour jusqu'à 22h. Mais là, maintenant, c'est Maya. Alors, oui, Sabrina. Ta voix, hein, Sabrina, chauffe ta voix toujours, fais des vocalises, hein, parce que oui. Là, il n'oubliera pas aujourd'hui. Hein. Tu as tout pour ça de lire de mon à moi, Lara Fabian. Il faut vraiment chauffer la voix pour Lara Fabian. Bah oui. Après là, Il y a des meilleurs morceaux de Lara Fabian, si tu aimes Lara Fabian, Dani.
Non, attends, après là, on connaît, si, si justement, justement sous la gueule... Moi, m'y pose une question, moi, Dani, tu poses des questions, Lara Fabian. Oui. Première chanson de Lara Fabian, c'était quoi? Je t'aime. Non, c'est pas vrai. Si. Alors, c'est quoi? C'est quoi c'est l'une de ses chansons les plus connues. Oui. Mais je pense que c'est pas Je t'aime. Hein. Alors, c'est quoi la première chanson? Hein? Tout est fini entre nous. Exactement. Voilà, c'est ça. Parce que je me souviens très bien quand la chanson venait de sortir, je pensais que c'était Céline Dion. Oui. Oui. Je pensais que c'était Céline Dion qui chantait, mais après j'ai eu la surprise que c'était une nouvelle chanteuse. Bah après elle a bombardé avec cette chanson. Ouais. C'était la rivale d'époque de Céline Dion. Il y avait beaucoup de. Voilà, c'est ça. Voilà, on les comparait sur le vocal en disant qu'il y en avait une qui était plus alto. Ben voilà, bref. Et effectivement, ouais. Il y a eu un débat là-dessus parce que Céline Dion, qui avait depuis longtemps s'était fait connue aux États-Unis, et Lara qui arrivait, et puis elle se faisait connaître avec cette chanson, alors que elle aussi, elle venait du Québec. Donc les deux, en fait, elles viennent du même endroit, oui. Mais sauf que Lara, elle a essayé de faire sur la France d'abord, alors que Céline, elle a commencé directement avec sa chanson à 16 ans, 15 ans, en français là-bas, à Montréal. Donc, voilà. Ouais. Mais ce sont deux... De super chanteuses. Aujourd'hui, Céline est devenue un petit peu plus connue parce qu'elle a persévéré. Bon, Lara Fabian, c'est une personne assez humble et stable qui aime se poser, qui n'est pas trop dans l'exubérance, en fait. Donc voilà. Et une de ses chansons. Et qu'elle pourrait effectivement, Sabrina, nous la chanter, de partir sur une chanson trop haute si elle se sent plus à l'aise sur cette chanson. En fait, m'explique à Sabrina, parce que nous, on connaît Maya, c'est une nouvelle dans l'équipe. Milès à elle, justement, parce que c'est elle qui ça reprend le flambeau petit à petit déjà. Donc voilà. Faut qu'elle y gère. Pour l'instant, c'est un rêve éveillé. Vas-y, tu peux continuer. Voilà. Et puis bientôt, mais ça prend la retraite, etc. Donc, donc faut bien elle y reprend, tu vois. Non, mais voilà. Elle est sur la bonne marche. Voilà, elle est sur la bonne marche. Elle y prend l'interview à queue, etc. Même dimanche dernier, dimanche dernier, mais t'es même pas causé. Ouais, tellement Maya était pris dans l'événement de l'interview Stéphanie Tazar et tout. On salue quand même Stéphanie de passage du côté de la métropole. D'ailleurs, sa vidéo l'a sortie hier, m'y crois. Ça y est. Ouais, petit cœur. Ah. Voilà, on fait un petit coucou de passage justement Stéphanie Tazar. Et effectivement, donc, qu'on l'a vu là maintenant, elle a des questions, mais waouh, première fois, m'y voit Maya comme ça, tu vois. Donc les vrais. Ah oui, parce que tu m'avais jamais vu non plus comme ça, non? Non plus. En attendant, on dira que on ne se connaissait pas non plus avant. Voilà, c'est ça. Donc avant on se connaissait pas, maintenant on se connaît pas non plus. Donc voilà. Donc voilà. Et c'est une découverte. Voilà, une découverte. Et comme dirait justement Sabrina Jopierre, justement, sur cette première chanson qui dit notre chemin. Hein. Donc effectivement. Oui. Voilà, on est arrivé en fait à se connaître comme ça, voilà. Mais en même temps, moi je reprends pas le flambeau. Moi je fais ça pour l'instant avec volontariat, dynamisme, ambition. Et voilà, mais sans aucune. Je sais pas. Juste la déconnade, on va dire. Quoi la déconnade? Ouais, mais c'est déjà bien. Voilà. Ben même, il prend tellement pas au sérieux que m'y fait l'interview, on en a au compte. Tellement m'y aime bien. Oui, il est vrai, bon, effectivement. Alors... Oui, alors, ben, on peut le temps que Annalie reconnecte à elle, justement. Oui, ben oui, parce que du coup, elle est partie, elle n'est pas revenue. Non, Zaman, elle a un petit souci d'internet ce soir, donc effectivement, ça commence à bugger. Sabrina, il prie pour qu'il ne bug oui, pas. Oui, il prie pour que ça... Bon, voilà. On peut continuer, je veux, mais rappelle quand même les personnes sur le standard de la radio, justement. Si déjà tu veux appeler, hein, 06 93 488 996, 06 93 488 996.
Et si tu veux passer un petit message à Sabrina ou à Maya ou même moi, si tu veux casser un petit peu les cuits, voilà, donc et si tu veux repart avec des cadeaux, effectivement, ne donne à d'autres des cadeaux, voilà. Et notamment sur le jeu de name dropping. Voilà, ça sera tout à l'heure, donc sur les ondes de la radio. Maya, là, ça va continuer l'interview. Oui, bien sûr, puisque de tout à l'heure, la coupe un peu les herbes sous mon patte. Mais n'importe quoi. Attends, moi, fais pas tout de suite. L'IV donne la main, elle est là. Non, mais en fait. Fais pas tout de suite, après, il casse mon élan. Après, elle a dit, des fois, elle a dit, faut se laisser désirer. Ah ben oui, ben là, c'était même plus un désir, là. C'est là, la coupe la passion, la coupe toute, là. Alors, du coup, donc, Sabrina, moi, je te demandais pour la suite. Alors, où ça va, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça propose à nous, ben, confinement? Oui, c'est sûr que pour l'instant, oui, mais est-ce que vous avez une inspiration? Est-ce qu'on a des choses que vous créez en ce moment? Alors. Ben, en termes d'inspiration, de ma part, l'inspiration, il vient pas comme ça. Hein. D'accord. Il vient pas dire, mais ça composé. Me dit comme là, ça va composer, mais pour une feuille, écrit. Non. Avec moi, c'est pas comme ça, c'est un truc qui arrive. Enfin, je ne cherche pas à trouver l'inspiration. L'inspiration lui arrive. C'est ça qui différencie. Mais là, en temps de confinement, il n'y arrive pas? Quelques paroles. Mais après, une chanson avec moi, il peut avoir quelques paroles aujourd'hui. Dans un mois, il revient sur la chanson, hein, pour compléter. D'accord. D'accord, donc ça veut dire que si en fait c'est vraiment un bébé qui va durer longtemps, qui va préchauffer avant de pouvoir avoir un bon final, quoi. Voilà, pouvoir avoir un bon final et essayer de toucher. Moi, j'essaye de toucher un petit peu le public par contre, parce que par rapport à ce que m'y écrit, des choses de la vie qui peut être bonne et des choses qui peut être pas bonnes. Voilà. D'accord, donc oui, en fait, tu vas pas faire comme tout le monde sur l'ambiance, en fait, tu vas pas aller sur l'ambiance, tu vas aller vraiment sur un truc qui va porter sur une résolution, sur un conseil, en fait, dans tes chansons. Voilà, sur un conseil, sur quelqu'un, en fin de compte, voyez toute la chanson, ah ben, dit, tiens, mais me reconnais moi à travers ses paroles, tu vois. C'est à peu près comme ça qu'il fonctionne, voilà. Et donc là, tu peux pas nous donner un avant-goût de ce qui pourrait arriver à l'avenir, ça prépare à nous. À l'avenir, m'avait un petit truc en préparation en début d'année, mais là, étant donné que on peut pas sortir, donc tout ce qui concerne les studios, tout ça, c'est en stand-by pour l'instant. Donc, travaille toujours sur la chanson, toujours travailler sur la chanson. Et on verra après. Mais Dani, tout à l'heure, te parlait de l'espoir il fait vivre. Donc l'espoir fait vivre, c'est une chanson qui vient de sortir en début d'année, au mois de janvier. Donc l'espoir fait vivre, ça parle plus sur la maladie et la maladie qu'il faut garder l'espoir. Pas comme dire l'espoir fait vivre les imbéciles. Mais et dans la vie, si on n'a pas d'espoir, ben, il pense que nous ne pourra pas calculer pour demain. Il faut vraiment qu'on garde cet espoir, que nous avancions en quelque sorte. Et c'est pareil, voilà. Tu as été inspirée par rapport à quoi, à cette chanson? Bah après, dans la famille, tout ce qui concerne la maladie, généralement, tôt ou tard, ça arrive. Mm-hmm. Donc voilà, le point de départ, ça a été là-dessus. D'accord. Et du coup, tu l'as préparé en combien de temps? Alors ça, je pense que ça partait sur les 6 mois, 7 mois. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y avait un bout de refrain. Bout de refrain, mais après ça a pris du temps pour trouver les couplets. Mais donc après, quand j'ai pu associer le couplet, le refrain, donc j'ai fait l'ensemble et voilà. Non, parce que ça n'avait aucune prémonition sur ce qui arrive en ce moment. Ah non, pas du tout, mais c'est d'actualité. Oui, bah c'est ça, parce que finalement, tu nous le ponds au mois de janvier et puis tout le monde est en confinement. Donc tu as été révélé, tu as su un truc. Voilà. Ou non, en fait c'est vraiment une préparation avant ça. Voilà, pas de don de voyance. D'accord, ok. Bon, en même temps, tu aurais pu suivre les actualités depuis un an sur la Chine qui était attaquée par cette épidémie.
Et effectivement, si tu as été révélé et inspiré par ce qui se passe plutôt autour de toi et pas par les faits, oui, ça veut dire que cette chanson, elle te vient vraiment du cœur, en fait. Oui, ça vient vraiment du cœur, hein, mais après, c'est une chanson que... Enfin, c'est pour donner un petit peu de soutien avec les gens dans certaines situations de leur vie qui sont pas faciles à vivre. Et essayer de dire que peut-être demain, ce sera meilleur. Voilà. D'accord. Pour ne pas s'enfoncer. Voilà. Bah, en fait, c'est ça. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est très fragile ou il y a beaucoup de choses qui arrivent. On n'a pas forcément les armes pour se battre. Donc voilà, c'est vrai que des fois la musique, en fait, comme on dit, hein, ça apaise un peu, ça apaise les cœurs. Hein. Donc voilà, ouais. Dani, tu nous reviens. Petite anecdote, quand j'ai enregistré la chanson, je n'avais pas de titre. Je butais un petit peu pour trouver le titre. Mais après, c'est mon producteur qui m'a dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas l'espoir fait vivre? Après, ce que je lui ai dit, c'est ben, les gens vont dire l'espoir fait vivre les imbéciles. C'est le dicton, en fin de compte, c'est le proverbe. Oui, et après, voilà, malheureusement, c'est ça, oui. Ce qu'il m'a répondu, en fin de compte, c'est le fait de croire et le fait d'être un imbécile. Mieux vaut être un imbécile de croire, ou plutôt de ne pas croire. Tu vois, un petit peu l'absus. Oui, c'est ça. Mais après, c'est vrai que tu as tenté et puis finalement, c'est retombé bien, quoi. Si la chanson aujourd'hui, voilà, elle a un sens grâce à ça. Voilà. Donc, essayer de... Voilà, ben, tout comme actuellement, comme tu as dit par rapport à l'actualité, on essaie de garder espoir pour que demain matin, on trouve ne serait-ce un vaccin, quelque chose, pour qu'on sort de ce beau pétrin qu'on est dedans. Ouais, ta chanson, en fait, elle arrivait vraiment à un moment où on est en plein dedans. Hein. On est exactement dans ce concept de maladie, dans ce concept de chagrin où on ne sait pas ce qui va se passer. Quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Garde espoir. C'est ça. Et du coup, Dani, toi, tu connais le producteur, toi, de Sabrina? Oui, il m'a entendu parler, effectivement. Sabrina, comment il appelle le producteur? Ouais. Comment il appelle? Mathieu Gauvin. Mathieu Gauvin. Mathieu Gauvin, ouais. Mais l'avait pas aussi David Duisin que l'a produit aussi un peu ou pas? Ah non. Non, du tout. Même pas? Vous êtes sûr? Non, du tout. Sûr et certaine. Ah bon? Ah bon? Oui, sûre et certaine. D'accord. Bon, bah, ah, oui ah bah non, bah m'a trompé alors, m'a trompé. Attends. Non, alors Maya, est-ce que vous continuez juste l'interview, hein, parce que du coup, maintenant, on regarde juste un petit truc rapidement. Oui, bah moi, écoute, je pense que je lui ai posé les questions suffisamment nécessaires, mais après, oui, moi, je voulais savoir, dans ton confinement, du coup, tu t'organises comment? Que là maintenant au niveau c'est en pause, mais t'es maman aussi j'imagine, donc comment est-ce que tu t'organises dans avec les cours virtuels? Déjà j'ai une fille qui est à la fac et un fils de 11 ans en 6e, donc on essaie, hein, mais après les cours virtuels sont pas au top aussi pour dire, hein, avec les connexions, etc. Donc j'essaie de donner un petit peu de mon savoir, pas pour ma fille qui a 18 ans qui va à la fac, là je peux pas, hein. C'est beaucoup plus compliqué. C'est pour mon fils, hein, donner un petit peu ce que j'ai retenu de mon parcours, et voilà, hein, donc on fait un petit peu avec, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Et toute ta famille te soutient dans la démarche de faire de la musique? Comment ça s'est passé la première fois que tu as voulu faire ta musique ou te dire je me lance, il n'y a pas d'âge, vas-y, allez, on saute? Oui, mais après, en parlant d'âge, j'avais des écritures depuis quelques années déjà. Et après, comme je suis maman aussi, j'ai préféré attendre. Parce que quand on a des petits,
c'est difficile aussi de faire d'allier les deux. Donc je préfère attendre un petit peu que les enfants soient un petit peu plus grands et après. Oui, tu as mis en priorité ton rôle de maman avant de mettre ta passion, quoi, en avant. Voilà, c'est ça. On met un petit peu en stand-by, mais après, comme on dit, l'âge pour moi, ça n'a pas trop d'importance. Donc, on fait ce qu'on aime, voilà. Et tu as toujours voulu chanter. Ça, c'est depuis ton enfance, ça s'est passé comment? Tu t'es sentie révélée par la musique à partir de quand? Ah non, mais ça c'est depuis tant petite, hein. c'est tant petite et après on commence à chanter, ben justement tout à l'heure on parle de Céline Dion, on commence à chanter du Céline Dion, mais après successivement ça a enchaîné un petit peu, ben après jusqu'à temps que je fais une pause, et après pour reprendre, mais j'ai repris, ça fait pas longtemps que j'ai commencé hein, vraiment à enregistrer, c'est depuis 2017. D'accord, oui, c'est vraiment tout récent. Oui, c'est tout récent, Et entre-temps, après justement la première chanson, Notre Chemin, ben, j'ai sorti un album chez mon voisin, justement, qui a chez mon voisin. Et le titre de l'album, c'était L'Humanité, voilà. Pour pouvoir un petit peu la vue d'un son de l'album. Cette chanson, est-ce que tu vas... Oui, tu l'avais mis sur cet album aussi. Oui, voilà, cette chanson L'Humanité, ça a été clippé par Fano Design. Et c'est un featuring avec Dada Roots, c'est un reggae qui parle des faits, des actualités du monde. D'accord. Donc t'es parti de base, déjà t'es parti de très loin parce qu'on part sur une inspiration, Céline Dion, jeune, on aimait et tout, et puis tu pars sur du Sega, faire du créole, enfin voilà. Donc t'es parti un petit peu dans les racines de l'araignée. On va faire une petite pause musicale quand même, les filles. On revient juste après, on va s'écouter chez mon voisin, on aura également l'espoir, il fait vivre, et puis on revient juste après, bon, c'est comme ça. Allez, à tout de suite. Allez, de retour sur Créole FM en ce mercredi 22 avril 2020. En tout cas, il est déjà 21h passé de 24 minutes. Maya, pourquoi fait cette grimace là? Non, parce qu'apparemment, j'ai eu un petit peu le retour de certaines personnes qui me disent le réseau est merdique. Donc, Mister Zot, une grimace. Oui, effectivement, le réseau en ce moment, on est un petit peu... Voilà. Quoi. Le réseau est un petit peu molle quand même. Ce soir. Hein. Alors, ce soir est là. Ouais, ce soir est là. Mais seulement ce soir, elle est molle. Ouais, c'est ça. Ce soir, elle est vraiment molle hein, quand même. Mais oui, alors du coup, moi, je fais un petit coucou à Véro, donc, qui m'envoie aussi un retour de son réseau merdique à la Bretagne. Donc, la Bretagne nous écoute. Et de la Bretagne de Saint-Denis, hein, pas de métropole, bien sûr, au cas où, pour ceux qui ne nous ont pas trop compris. Donc, c'est catastrophique, le réseau, mais elle entend de temps en temps. Donc, au cas où, si elle entend, elle te dit bisous, au cas où. Comme ça, quand il écoute, il coupera plus. Ouais, d'ailleurs, on salue quand même Véronique, qui petit doit appeler à elle, parce qu'elle avait gagné un petit cadeau l'autre fois, mais elle m'a pas encore appelé à elle. Oté, ah ouh, rote vraiment, la totale. Oh. Mais non, là, comme dirait Sabrina, l'espoir, il fait vivre. Oui, bon. Voilà, je ne dirai point le reste. Pourquoi? Sabrina Chopière, n'est-ce pas, Dani? Oui, Sabrina est avec nous ce soir. Voilà, tellement le réseau, les pieds à Ganel du côté de Saint-Anne, il ne peut pas être avec nous ce soir. Hein, t'as vu? Vraiment, quand même. Ouais. Donc, elle n'a pas réussi à se reconnecter, non. Alors. Non, non. Donc, c'est un peu quand même dommage. Ouais, effectivement. Mais sinon, elle ne peut pas rester en live sans vidéo, parce que t'as là, tu fonctionnes, tu entends elle, mais bon, on la voyait pas, malheureusement.
C'est ça. Mais on l'entendait très bien en fait. Tout à l'heure, oui, mais pas là. Hein. Là, il essaie de reconnecter, mais il peut plus. Il peut plus attendre. Ah, mais il a reçu un message. Ah, là, demain comme ça, ouais, il peut pas, il est chiant. Effectivement. Bah oui, j'imagine. Donc, bon courage, Anaël, du côté de Sainte-Anne. Bah oui, à la prochaine alors. Voilà. En plus, Sabrina TV1 featuring avec Gwenaëlle. Ouais, bonne soirée. Ah oui, pourquoi pas, mais oui. Ah, mon monsieur connaît mais ça chantait là, Sabrina. Hein. Allez. C'est-à-dire en fait, tu vas chanter pas là. Non, mais ça mettre mon carrière dentiste dentiste. Mon carrière dentiste. Ça c'est un lapsus révélateur, ça veut dire que tu dois pas chanter. Essaye pas. Pourquoi essaye pas? Ah non. Mais en fait si tu le fais, mais t'as nous rater un truc. Qu'est-ce qu'on dit? Allô? Non, Sabrina, vas-y, tu disais. Non, mais il disait peut-être que nous rate quelque chose. Oui. Oui, quelque chose peut-être. De potable. C'est ça. Alors, donc, Sabrina, est-ce que vous avez fait un petit conseil à live pour nous, là, tout de suite, ou pas? Oui, dis-moi. Choisis ma chanson, sinon... Ouais, voyons, choisis de morceau. Ouais, mais tout à l'heure, elle a dit, mais me fait un petit retour en arrière. Parce que, généralement, les enfants, c'est une chanson que les enfants y écoutent presque plus. Ouais. Les miens y connaissent, par contre, les miens y connaissent la chanson. C'est Petit Casampaï. Ah. C'est une chanson que depuis mon enfance que Miam chante. Mais à une époque, je sais que les centres de loisirs, tout ça, ben, t'es maître pour Marmaï. Mais c'est vrai que c'est plus d'actualité maintenant, c'est plus chanson. C'est plus d'actualité. Voilà. Allez, vas-y, une chanson, voilà. mais tu peux. Là, tu peux. Vas-y, lance-toi. Oui, bah en fin de compte, des petits cas en paille. C'est un petit peu pour les couples en ce moment que, à ce qui paraît, le taux de violence conjugale l'a augmenté pendant le confinement. C'est ça. Voilà, donc, donne un petit peu de baume au cœur pour les couples. Ok. Dani, nous ça va? Allez, nous ça va. Fais péter. Ou siffle le début de la chanson ou pas? N'est pas sifflé, moi. Allez. Ah. moi, t'es ça, tu n'as fait, mais dis non, moi, laisse aller causer. Commence là. Allez, c'est parti. Maya, sif. La 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 la. Dans mon petit casampaï, chérie, la reste toute la vie. Même dans la misère, on sera fiers. Dans mon petit casampaï, chérie, la reste toute la vie. D'en avoir toute mon maman grandit. Mais si la pointe travaille, nous mangera pas volaille. N'a mange maï fin avec bouillon brais. Mais si la pointe travaille, nous mangera pas volaille. N'a léché le beau-père et n'a gratte la terre. Dans... Dix cas en paille, dix cas en paille, dix cas en paille. Dans dix cas en paille, dix cas en paille, n'a vivre sans souci. Si le bon Dieu, il donne à nous la santé, ma travail dur pour soigner la famille. Mais si le bon Dieu, il donne à nous la santé,
Ma plante géranium avec la vanille. Mais quand on aura la pluie, ma lame la pioche dans la cour. Dans une petite case en paille, on a fait l'amour. Mais quand on aura la pluie, ma lame la pioche dans la cour. Dans une petite case en paille, on saura toujours. Dans une petite case en paille, petite case en paille, petite case en paille. Dans une petite case en paille, petite case en paille. Na vie sans souci. Na 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 na. Voilà. Bravo. Merci. Ah, t'es ben, t'es cas en paille, il fait longtemps ça. Ouais. Ah moi, mi veut que vous chante. Comment il appelle Fifine. Connais ça? Pourquoi ah, Fifine ouais. Non mais. Alors. Maya aussi, est-ce que Paris, j'ai compris que tu étais chanteuse. Mon Dieu, on va remettre ça sur le tapis encore. Tous les soirs, on sort à moi ça. Ah, non, ben, tous les soirs, non, parce que vous ne l'êtes jamais là hein, le soir, on est là rien que le dimanche. On ne peut pas dire moi tous oui, les soirs. Oui, hein. Mais à chaque fois, comme elle est là, à chaque fois, on sort à moi ça. Donc finalement, en fait, il évolue pas. Oui, mais bon, allez, donne-nous justement, Maya, chante un petit morceau, Sabrina. Sabrina va pas juger mais va dire comment il est de voix. Allez, en plus m'a jamais entendu chanter donc ça sera l'occasion de chanter. Bah oui mais bon que ça me sache chanter. Attends parce que du coup le réseau de toute façon est catastrophique. Alors attends là où donc de mouiller entend pas moi bien à soir. Ah non il est bon là le réseau est bien là en plus m'installe ouais micro tout il est bon quoi. Oui, mais le réseau, mi veut dire, oh, comme de Mouni, n'entend pas très bien. Va dire, ça l'a pas vraiment écouté, tu vois. Donc c'est très bien. Il m'a fait honte à moi un autre soir, mais il peut asseoir, tu vois. Alors, la chanson, c'est. J'aimerais bien. Lara Fabian, tiens. Me revient dessus. Parce qu'une de ses chansons que j'apprécie énormément, c'est Pas sans toi. Voilà, c'est un peu révélateur de ce qui se passe aussi aujourd'hui. Il y en a beaucoup de couples. Qui casse pour rien et puis voilà mais bon il y en a heureusement qui s'aiment on va dire ça c'est pas si catastrophique que oui. Ça ouais. Donc passe en toi de Lara Fabian un petit morceau hein. Après m'y arrête hein, m'y fait juste voilà juste un petit bout hein pour y dire voilà mon Dieu comment il commence déjà ça. j'ai perdu le fil. Attends, parce que là, du coup, c'est... Sèche tes pleurs. Attends, parce que du coup, attends. Bon, Dani, là, je suis perdue. Tu me prends au dépourvu. Ah bah j'aime bien prendre les gens au dépourvu, s'il te plaît. Hein. Oui, bah oui, m'a la remarqué, ça. Alors, attends, j'ai mis un petit fond derrière, tout ça, pour pouvoir me resituer au niveau des paroles. Un petit fond en plus. Oui, attends là-haut. Sèche tes pleurs, je ne partirai pas. Il m'en faudrait bien plus que ça pour tout détruire anéantir. Pas ça. Sèche tes pleurs et refais-moi l'amour. Te souviens-tu de cet enfant que tu voulais me faire en chantant? Je t'aime encore si fort, mais pas sans toi. Je ne la vivrai pas cette vie-là. Si tu me reprenais dans tes bras, on pourrait reconstruire tout seul.
toi, ce serait comme renier ma vie, ce serait comme étouffer un cri. Si j'ai tort, éloigne-toi, si tu m'aimes, attends-moi. Voilà. Ah oui. J'ai pas tout donné. Hein. Ah ben ça c'est cool ça. C'était appliqué. Ouais, ah bah, c'était vraiment quand même au top quoi. Première fois, bientôt chanter comme oui. ça. En plus, on dirait sur Créole FM, s'il te plaît. Hein. Oui, bon, après, les, voilà, je fais un petit peu de fausses notes, mais bon, voilà, j'aime bien moi faire des petites chansons comme ça. Après, ça c'est un petit peu pour le fun quoi. Un petit peu pour le fun. Bah oui. Bon, en tout cas, autre passage, justement, on a été enregistré. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et ce sera un plaisir de justement de rediffuser ça ce dimanche. Voilà, quand tu demandes. En plus, tout, avec toute la bande, là, ça va être sympa. Voilà, en plus, mon équipe a justement avec le micro, etc. Donc, c'est cool. C'est cool, Raoul. Bon, Sabrina, oui. nous revient avec Sabrina quand même, parce que c'est notre invitée de ce soir. Sabrina. Oui. Bon, ben, jusqu'à maintenant, la connexion est bonne, hein. Oui, ça va. Hein ça va. Bon. Ouais, alors, donc, elle pense que la connexion n'aurait été mauvaise. Maintenant, ben, c'est celui de l'année qui est mauvais maintenant, donc, voilà. Tu as vu ? C'est ça. La dévirer vitement. La dévirer vitement, hein. Ah oui, tu pensais que t'étais tellement fort, hein. Non. Bon. Elle m'a essayé, elle m'a la bataille avec. Hein. Ah oui, dernier moment. Sabrina, du coup, l'album, nous peut retrouver également encore dans les bacs après le déconfinement. Oui, toujours dans les bacs. Toujours dans les bacs. Les FNAC, etc. De Lille, si toujours dans les bacs. D'accord. Bon, et combien le CD? Ben, dernièrement, dans chez les disquaires, c'était à 12€, 12,90€, je crois. D'accord. Et sinon, ça, avec moi, c'est à 10€. Ok. Bon, ben écoute, Maya, je vais acheter la... Oui, mais tu es de quel côté, Sabrina? Parce qu'avec toi, c'est une chose, mais de quel côté tu es, toi? Sainte-Marie. Pas trop loin de où, ça? Oui, oui, effectivement, on reste dans le Nord. Oui, à ce qui paraît, toutes les personnes que les dans le nom, justement, les biens. Dis pas trop ça. Nanmon, les bons ailleurs, oui. Non, m'a dit à ce qui paraît, m'a dit les personnes, justement. Il vaut mieux dire à ce qui paraît, rattrape pas, ou. Oui, voilà. Et si ça, tu connais pas Maya, ça, tu pourrais retrouver également, parce que cet après-midi, lors de l'équipement... professionnel du télétravail quand même de Maya. Maya la met en une position vraiment ainsi, mais voilà quoi, genre sérieuse, assistante de direction et tout. Donc allez voir sur la page Facebook de Tropicana Live Tour Émission. Ah oui. Ouais. Ah oui, mais c'est où ça? Ouais, on me prend la pose comme si vous êtes devant un micro. Ben m'a fait pareil, le micro était à côté. Ben m'a fait genre. Oh, la fait genre, mais bon, voilà, quoi. En plus, je connais que ça, Nena, en plus, Nena a une série, ça, Nena a une série, Nena a une personne qui ressemble vachement dans une série, quand même, m'y rappelle plus. Mais m'y va, réessaye, regarde ça, il me va dire ça dimanche. Mais c'était, c'est quoi la série? C'est un truc en... C'est une série, une série policière. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas dans New York District là? Ouais, ça même. C'est ça. Donc oui, en plus c'est mon idole cette actrice. Elle est formidable. Elle s'appelle Olivia dans le. Ouais. Dans la série. Okay. C'est ça, c'est la policière. C'est ça. T'es beaucoup. Ça, bah, elle, voilà. Elle a un nom belge ou je sais pas quoi, mais c'est super compliqué son nom. Mais oui, je vois le truc. Ben voilà. Ah oh, quelqu'un l'a point sous yeux partout. Et tu sais, le pire, c'est que j'ai quelqu'un, donc un ours blanc, qui m'a dit une fois que j'avais la voix de Julia Roberts. Si je m'applique, il me dit j'ai la voix de Julia Roberts. D'accord. Alors, essaye pour appliquer à un petit coup pour assurer la voix. Ah oui, mais je sais. En anglais, de préférence. Hein. Ah oui, mais attends. Ben là, Sabrina, elle veut maman.
Alors déjà qu'en français c'est assez compliqué de s'appliquer sur la voix de quelqu'un, alors là si tu me dis en anglais, mais Sabrina, mais ça m'y va aller, mais moi oui, déjà le français, le créole, même compagnie, les deux mélangés, gay pas. Difficile, ouais. C'est ça, les vraiment difficiles. Les filles. J'ai un sosie de voix. On m'a dit ça. Beaucoup de personnes, hein, beaucoup de personnes, même moi, Bana, ils croient que Minena a la voix de. Ah, Maya, il voit son regard là. Tu vois, Maya, il tente de chercher quelle voix Minena, tu vois. Alors, Sabrina, quelle. Je suis en pleine chute en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que tu vas me sortir, Mickey, Donald. Alors, Sabrina, ma voix, bah justement, dans un instant, on va faire le name dropping. Sabrina, vous connaissez quoi le name dropping? Non. Le name dropping. Oui, bah Mickey Pocos English moi. Midas Maya, allez, me connais où elle est forte en anglais, hein. Allez, explique à elle. Allez Maya. Mais quand tu parles de name dropping, moi je pense à exactement ce que Leslie disait la dernière fois. Tu parles de name, on a l'impression que tu parles de bouffe. Tu bah oui, bah alors t'es. Bah en plus les manger. Le gars il veut manger name, rouleau de printemps, les trucs comme ça, tu vois. Et voilà. Bah après les beignets. C'est la prononciation d'Annie. Après les beignets d'Annel, c'est les NEM. C'est les NEM de Leslie. Les NEM. Et sauf que n'était pas mangeable. Hein. C'était où te prononciation n'était pas bon. Les NEM. Dropping. Alors, vous savoir le principe du jeu, Sabrina? On va rire un petit peu quand même ce soir. Alors, tu s'appelles Leslie, Maya. Non. Elle pense à nous, elle écoute l'émission. Oui, allez, c'est allez. Ça. Alors, du coup, le name dropping. Alors, le principe du jeu, les simple, justement. Donc, c'est de lâcher, enfin, c'est de donner des noms de personnalités, d'accord. Et par exemple, je sais pas, Smithy Maya, d'accord. C'est c'est une personnalité vraie, quoi. C'est une vraie personnalité, hein. Voilà, donc Maya. Et il faut Maya, donc il finit par un A. Donc il faut trouver une autre nom de personnalité qui commence par A. À chaque fin de lettre, en fait, il faut trouver un nom de personnalité. N'est bon? Comprendos? N'est bon? Eh ben, il commence par moi, il démarre. Hein. Bien sûr, feu vert. Feu vert. Alors, ah ben d'ailleurs, Anaël, tiens. Anaël. Bah oui. Ah, t'es parti sur Anaël direct. Ah bah oui, hein. Elle n'est pas là, mais bon, voilà quoi. Ah. Alors Anaël. Et mais la personnalité, c'est que personnalité acteur, actrice ou que chanteur? Peu importe. Ok. Alors. Du coup, la suite, c'est qui? C'est Sabrina ou c'est moi? Allez, ben, mettre Sabrina. Allez, Sabrina. Une personnalité. Anaël, Elvis Presley. Ah. Ça veut dire quoi, mais il prend le Y de Presley? Ouais. Non. Ouais. Pourquoi as-tu fait ça à moi dès le départ comme ça? Oh là là. Je sais pas moi qui c'est qui est connu de qui une personnalité? Attends. Un Y. Mais vous êtes fou. Hey Greg, si, il y en a, Yannick Noah. Ah oui, il est vrai. Ouais. Oui, bah Yannick Noah. Bon, allez, bah H pour moi alors. C'est ça, hein? H. Bah, oui, c'est ça. Ouais, en plus, c'est moi qui la donne l'idée. Et du coup, mais que pas qui n'est non H. Bravo. Bah, bravo Dani, hein, bravo. H. Ah oui. J'adore cette émission parce que bidonne Yannick Noah. Alors hein, H. Harry Potter. Ah bah tiens. Psst, c'est trop facile. Ah bah écoute. C'est trop facile, on avait dit une personnalité, on n'a pas dit une émission ou un film. Bah peu importe, hein, Harry Potter, allez. Ah bon alors. Ah bon, ok. Allez. Non, il fait son jeu en même temps, il triche, lui. Oui, 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 bah c'est lui qui trouve les règles, c'est lui qui trouve. Alors. En fait, il va mener toutes les règles à sa sauce, quoi. C'est ça. Mais non, alors, allez. Harry Potter, on va dire Rihanna, allez. Elle est toujours en A. Hein. Ah oui, bah oui, bah achevez-moi. Un
Andrea Bocelli. Et je finis pas en quoi ça. I. Andrea Bocelli. I. Par un I. Un I. Bah oui, bah alors. On sait jamais, un I. Alors, qui n'est là en I que m'y connaît. I. 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 Alors. J'adore. L'attrape à toi, là. En punaise. En I. Artiste ou personnalité qui démarre en I. Pas évident, hein. Ah bah Ina. 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 C'est une chanson Gimme, Gimme. Non, on non, on connaît pas Thomas Matteau la chanson. Hein? Oh là là. C'est Ina. On connaît pas Ina. Ina. Il chante quoi? Ina, il chante Gimme, Gimme. C'est les brunes, une chanson. Bah oui, sérieux. T'as le regardé au voir. Allez. Mais non, c'est pas elle qui chante ça. Non, mais c'est Gimme la VHS. Gimme, c'est... Gimme, c'est pas c'est pas les trucs de. Gimme, non, gimme, c'est pas ça. Attends, mais il y en a une autre Gimme. Attends, bouge non, pas. Non. Bon, sinon, voilà. Sinon, Nena, Isna. Tiens. M'avait dit Isna, en. Isna, chante quoi? Isna, c'est ce gars. Ou l'a changé. Dis pas, mais on connaît c'est pas. Isna, non Isna, si, Isna. Non, Isna, Isna même. Isna. Ah, il connaît, Sabrina, il connaît alors. Hey, hey Isna. Ah oui, 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 okay. Oui, mon chagrin, oui, oui, oui. On dirait moins affaire. Oui, ça même. Ok. Alors, Isna... En A. Alors... Allez, Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud. Ma fille, on l'a pas fait simple, là. Oui, voilà. Un beau... Un O. Ça passe dans ma tête. Un beau, c'est U. Ça ah finit non. En... Un O. Arthur Rimbaud. A-A-U, ça finit par D, A. D, non. Ah bon. Oh, mais... Un beau, il finit par quoi. Oui, oui, c'est ça. Un D. Un D. D. Oh là là. Un D, un D, un D... Deux, D... Darius des noms. Des noms. N. Allez, N. N, N, N. N. Ouh là là, ben écoute, Nestlé, hein. Chanteuse de Zouk, là. Et on ramène à moi Y. Bah, ben écoute, hein. Chacun fait, il fait le tour, quoi. Allez Yannick, Yannick de Créole FM, allez. On salue quand même Yannick de Créole FM. Bon Yannick, si tu nous écoutes, hein, en passant. Hein. Bon. Les vrais, c'est une personnalité, effectivement. Ah oui, c'est une personnalité. Hein. Ah oui. Alors, donc c'est... Si on le connaît, c'est une personnalité. Donc c'est Yannick donc avec un avec un K. Maya. Attends. Christina Carambeu. Avec un cas, Christina. Ah, elle est pas bon ça. Un cas. Non, pourquoi si? Là, c'est pas Adriana. Christina. Non, Christina. Christina, si c'est Christina. Oui, ah oui, c'est peut-être Adriana, alors je sais plus. C'est Adriana. On connaît pas, hein. M'entends, ah oui, m'entends pas. Bon ben Kristen Stewart. Stewart. Il finit vous connaissez pourquoi on m'a dit Christina aussi parce que moi j'ai une copine en train d'envoyer moi un message depuis tout à l'heure. Alors il essaye de regarder mais elle y appelle Christina donc un coucou à Sainte-Suzanne aussi. Voilà. Il finit en quoi du coup le. Alors moi c'est Kristen Stewart. Ça finit par un T. Un T. Tu sais qui c'est Kristen Stewart ou pas? Oui, je sais qui c'est. Un T. C'est ça? Mm-hmm. Oh, bon, bah Thierry Jardino, hein. Oh, super. Ah ouais. C'est pareil, ça finit par un T. Ben, t'es toujours... Tina Turner. Ah. Ouh. Donc, ça finit par un R. Je sais pas. Bah, non, on l'a dit Rihanna tout à l'heure. Ronaldo. Ronaldo. Ok. Allez, Jenny, avec le haut. Ah, tu m'énerves, Maya, tu m'énerves. un O, ben Aurélie, hein.
La chanteuse. Ouais. Ah. Ouais, mais c'est pas avec un O, c'est avec si, un A. Si, Nena, non, Nena Aurélie, non, donc si, c'est... Nena N, Aurélie avec, voilà. Du côté du sud, si je ne me trompe pas, du côté de Saint-Jo. Saint-Jo même, ouais. Voilà. T'as vu, hein. En tout cas... Même un petit coucou à Aurélie, j'ai longtemps. Voilà, avec un Y, Aurélie avec un Y. En tout cas, si vous êtes à l'écoute de Créole FM ce soir, ben nous les avec l'équipe complètement banjo. Ce soir avec moi, Nena Maya, hein, qu'elle est là. Nena aussi, Sabrina, Jo-Pierre également. Et là, on est en train de jouer justement donc au Name Dropping. Allez, nous continuons jusqu'à oui. 22h. Hein. En direct à la radio. Oui, ça rame un peu, donc bon, je suis déçue que tout le monde ne puisse pas profiter de cette émission correctement, puisque bon, j'ai quand même des personnes qui écoutent, qui me disent que ça rame, il y a un mauvais réseau. Désolée. C'est ça, effectivement, enfin, il faut écouter c'est pas sur de notre volonté. Hein. C'est ça, il faut écouter. Même le Facebook Live n'a pas encore été configuré. Voilà. Alors donc, on avait dit Aurélie avec un Y. Donc ben voilà, toujours avec un Y. C'est ça, Aurélie avec un Y, Mina et d'autres. Ouais, donc c'est à Sabrina avec le si, Y. C'est avec, oui, c'est ouais, avec... c'est avec un Y. Ça. Y. Là. Ah là là. C'est compliqué là maintenant. Bon, la fin dit Yannick Noah, la fin dit Yannick de Créole FM. Yannick. Ah, Minéna N quand même. Un artiste en Y. Ouais, Minéna N. Que l'a fait un featuring avec Ornel. Dis pas, mais on connaît pas. Mais non, mais il connaît, mais il voit plus le nom. T'es avec un Y. Oui, avec un Y. Le titre, c'est tant. Continuez, tu es un instant à gagner. Johan, voilà. T'as vu. Alors donc un N pour Maya. Oh là là, le N. Nicki Minaj. Avec un J. Ça n'arrange pas du tout les bonnes affaires. Hein. Alors avec un J. J. Alors J. Ah ben écoute, hein. Junior, hein. Junior. Bah oui, ah qu'on pas l'a dit, il connaît pas Junior. Ou pas le bah oui, ou pas John ou... Bah oui, mais Maya il connaît pas. Hein. Ah. Bon allez Junior. Bah, allez un R pour encore un R. Bah oui, c'est Junior avec un R. J'adore cette émission. Oui. J'adore ce jeu. Allez, Robert De Niro. Ah. Et du coup, Robert De Niro, il finit par un Robert De Niro. Et oh, oh, c'est ça? Oh. Ouais. Alors, Olivier Mine. Avec un E. Voilà. Ouais. Ben Emmanuel Ivara. Hein. Ah. Voilà. Okay. Un A. Alors, A. A. Amandine Bourgeois. Ça me fait un quoi, ça? Un I? S, Mikos. Bourgeois, ouais. S. S, ouais, je crois. S. Shakira. Ah. Là maintenant Mina le A. Ouais. A. Ah. Alors. Albéric Louison. N. Albéric Louison. Ça nous ramène à N. Naomi Campbell. Oh bien. Et le Campbell il finit par un L, forcément. Ouais. Lara Fabian. Fini par un N. Ah voilà. N. N. Oh là 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 là
Ah oui, bah, à un moment donné, on va trouver les mêmes voyelles, donc, de toute façon. Bah oui, hein. Bah oui, alors... Ah, Tu as déjà dit un L tout à l'heure. Ouais, oui. Alors. Tu peux inventer ? Non. Est-ce que tu peux inventer ? En quoi ? En A ? En A, elle est facile. Aurélien Santon. Ah bon, allez, Aurélien Santon. C'est un N. Ça fait du N pour moi. T'as dit Naomi Campbell, Niska. N, ce sera... Oh là là. Ça, c'est un affaire, mais... Nino Ventura. Donc, c'est un A, quoi. Aya Nakamura. Ah non. Ah, c'était trop facile. Franchement, c'était trop facile. Ah bah oui. Oh, Jaja. Y a pas moyen, Jaja. Alors, toujours avec un A. Pareil en A. Alors, en A. Antoine. C'est que Antoine. Tu te souviens d'Antoine ? Oui, je crois que oui, c'est le petit monsieur qui ressemble à Gilles Mallet avec ses chemises, là. Voilà, c'est ça, toi-même. En tout cas, il est l'heure, justement, de se quitter, parce qu'il est déjà 21h, passé de 58 minutes sur Créole FM. Sabrina, est-ce qu'on a des petits messages à passer en direct à la radio ? Ben, j'embrasse très fort mes parents. Il fait plus d'un mois qu'on ne l'a pas vu, ben là, par rapport au confinement. Et le manque qui commence à se ressentir terriblement. Mmh. Donc, heureusement que Nana le téléphone aussi nous peut entendre la voix, mais il préfère respecter ce confinement par respect pour autres. Voilà. Donc, gros bisous à mes parents. Oui, pour éviter qu'ils tombent malades. Mes frères. Voilà. Donc, bon confinement à autres, même s'il ne connaît que les difficiles de ne pas avoir de visite. Donc, Yes. Gros big up à mes parents et voilà donc les piliers. Les piliers alors. Un petit coucou pour eux. Maya, de toute façon Sabrina nous va réinviter à vous dans l'émission, dans les des bonnes conditions en tout cas, hein, sur la radio évidemment, donc sur le Facebook Live également. Nous va faire une vraie interview, hein, vraiment un vrai truc carré quoi. En tout cas, Maya, merci en tout cas pour ce soir. Il nous donne un nouveau rendez-vous dimanche. À très bientôt, on se retrouve et puis tout le monde qui ont essayé d'écouter, c'est terminé, mais on se retrouve très bientôt. Un petit joyeux anniversaire vite fait au grand frère, hein, et puis le reste, gros bisous, et puis pour ceux qui n'ont pas réussi à se connecter, Anaël, dommage. Donc voilà, et puis Sabrina, à bientôt, et puis bonne continuation, et j'espère pour vous, bien l'inspiration, la merci musique, et voilà. C'est ça. Ah, j'espère que ça viendra, et enchanté de te connaître, Maya. Pareil, merci à Dany. Dany, ne change surtout pas, Dany. Je l'avais comment il complètement à moi là. Oulala. Tu vas tenir parole, tu vas passer la main à Maya. Hein. J'espère que tu tiendras parole. Hein. Oui, Maya, oui, effectivement. On va passer le flambeau à Maya. Attends, voilà. En tout cas, demain, tu peux retrouver Betty sur Créole FM, en tout cas, avec Vincent, demain pour midi. Bonne soirée tout le monde sur la radio. Ciao, bye bye. Ciao, bye. Bonne soirée. Bye bye. Créole FM. Créole FM. Écoute à voir.